Quand t'es venu dans la rue inconnue, tu savais pas où t'allais, mais tu savais qu'il y avait dans la maison du premier une fille qui était vraiment typique, que tous les voisins appelaient Taïna. Quelle histoire et quel ange quand elle t'a dit monsieur, essuyez-vous les pieds, vous serez bien gentil car j'aurai pas à repasser après vous, mais oui madame. Quand t'es venu dans la rue inconnue, tu savais pas où t'allais, mais tu savais qu'il y avait dans la maison du premier une fille. T'es vraiment typique que tous les voisins appelaient Taïna. Mon Dieu, quelle histoire et quel ange quand elle t'a dit monsieur, essuyez-vous les pieds, vous serez bien gentil car j'aurai pas à repasser après vous, mais oui madame. Tu ne savais pas vraiment à quoi elle ressemblait. Y'avait les voisins qui t'avaient dit cette fille elle est super, mais il faut savoir vraiment lui parler. Quelle douceur dans sa voix et dans ses hanches, t'osais plus rien refuser. Tellement comment elle s'appelait. Tout ce qu'on t'avait dit d'elle, c'était les voisins qui t'avaient prévenu qu'elle était vraiment belle. Mon Dieu, quel curma, quelle allure. La première fois qu'elle t'a vu dans le patio, pardon monsieur, essuyez-vous les pieds, comme ça j'aurai pas à repasser la prochaine fois. Merci beaucoup, à demain soir. Aussi pote que tu le dis, pourquoi ne t'a-t-il jamais invité chez lui? Alors que tu es tout le temps ici, chez moi, avec moi, ton meilleur ami. Ouais, d'accord. T'es mon meilleur ami. Mon meilleur ami qui est jaloux.